Je suis arrivée dans ma collectivité en juin 2007. J'ai été embauchée pour travailler au service courrier. J'ai ensuite été embauchée au cabinet du président. Et en fait, j'ai terminé par le secrétariat de la DRH. J'étais en poste justement au secrétariat de la DRH lorsque j'ai vu cet appel à candidature. Il m'a immédiatement interpellée parce qu'il permettait un changement professionnel radical tout en conservant le même employeur. Euh, à l'inverse du secrétariat de la DRH, où je n'avais contact qu'avec les agents euh, donc de Ouest-Provence, là, ça me permettait d'entrer en contact avec euh, du public extérieur ainsi qu'avec des partenaires. Par ailleurs, il y avait euh, l'aspect social, culturel, économique qui me paraissait vraiment intéressant, ainsi que le fait d'aborder un jeune dans, dans sa globalité. Euh, à l'inverse d'autres partenaires qui s'occupent d'un aspect unique comme la formation ou l'emploi. Ici, à la mission locale, le conseiller s'occupe du jeune pour tout ce qu'il concerne, que ce soit dans sa formation, donc évidemment pour aller vers son emploi, mais également son environnement, le logement, les loisirs aussi, la santé. Voilà, tout ce que la mission locale peut lui offrir. À la mission locale, il y a eu une vraie prise en charge, un véritable accompagnement, parce que bien que le travail du conseiller soit un travail individuel, il y a la force de l'équipe. C'est-à-dire que chaque cas est un cas unique et chaque conseiller a vécu un vécu particulier dont il peut faire profiter les autres. Et ici, encore plus qu'ailleurs, l'équipe se révèle nécessaire. Et puis, le nouveau conseiller, il est mis en doublon au départ, sur une longue période, en fait, sur la période pendant laquelle il a besoin de rencontrer que ce soit les partenaires ou les organismes de formation, ou même les employeurs et, voilà, et d'assister à des entretiens pendant lesquels au départ il n'intervient pas. Des craintes pas vraiment, des interrogations, un peu comme tout le monde, hein. mais je suis allé me renseigner, je me suis vite rendu compte qu'il n'y euh, avait pas de crainte à avoir en fait, parce que l'agent mis à disposition bénéficie exactement des mêmes droits que lorsqu'il est euh, en fonction euh, sur, euh, sur un site... Euh, anciennement en Ouest-Provence, maintenant en métropole. C'est-à-dire que on a les mêmes congés, on a le même temps de travail, on, on a, tout est pareil, y compris des droits à la régie. Et, et on peut également, ça je l'ai appris, je ne savais pas du tout, on peut mettre fin à sa mise à disposition avec juste un préavis de trois mois. Alors finalement, il faut se rendre compte que la difficulté est davantage pour le service auprès duquel l'agent est mis à disposition que pour l'agent mis à disposition lui-même. Un poste de conseiller en évolution professionnelle, c'est en fait, accompagner un jeune public de 16 à 25 ans pour qu'il gagne en autonomie. Les jeunes que l'on reçoit sont sortis du système scolaire, mais pas forcément sans qualification, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, ils peuvent être là parce qu'ils ont suivi une formation, qu'elle leur correspondait à un moment de leur, leur parcours et qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont grandi, évolué et que ça ne leur correspond plus, ou alors qu'ils veulent aller au-delà de la formation initiale qu'ils ont reçue. Donc, euh, ils sont là pour que la mission locale les prenne en charge, comme je disais tout à l'heure, dans leur globalité. Euh, certains sont là sur des conseils d'amis ou de parents, mais également de la part des CIO, hein, quand ils sont dans les collèges, on leur parle de la mission locale. Et c'est important pour eux de, de s'y inscrire, parce qu'ils savent qu'ils recevront euh, à la mission locale une, une véritable écoute. Et pour favoriser son accès à l'emploi, ce qui est quand même le but ultime. Un conseiller, il ne faut pas oublier que c'est le référent unique du jeune pendant toute une période de sa vie et dans sa construction de vie d'adulte.